Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce Confine Live numéro 12, le sixième consacré au rallye, puisque vous savez que Confine Live est en alternance rallye et rallycross, avec aujourd'hui pour la première fois un retour vers le passé, puisque nous allons repartir quelques 20 années en arrière avec le thème de ce live qui sera le Super 1600. Nous évoquerons le lancement en 2001, bien évidemment, nous évoquerons les championnats de France des rallyes 2002-2003, qui était la façade du championnat de France des rallyes, qui était consacré à cette catégorie Super 1600. Nous évoquerons bien évidemment les Super 1600 dans les campagnes européennes, dans les campagnes mondiales également, avec cette auto qui reste aujourd'hui, 20 ans après, ce qu'on a fait de mieux en voiture de rallye, de roues motrices et moteur 1600 Atmo. Nous aurons au cours de ce live un invité surprise, quelqu'un qui pèse très très lourd sur la scène internationale du sport automobile et qui à cette époque était impliqué dans le Super 1600. Et avant de débuter, je tiens à vous présenter toutes nos excuses pour ce retard. Nous avons un petit souci technique. Nous avons eu un souci technique pour lancer le live à 11h, mais ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre, on l'espère bien évidemment. Avec nous ce matin, quatre pilotes. Des pilotes qui se sont particulièrement distingués dans cette catégorie Super 1600. Cédric Robert, qui est avec nous, Nicolas Bernardi, Marc Amourette et Simon Jean-Joseph. Nous avons eu quelques soucis tout à l'heure pour le joindre, mais je pense qu'il est là, qu'il va venir nous rejoindre. Et je les salue bien évidemment et je les remercie d'être présents avec nous ce matin sur ce live. Et puis avec moi, en consultant chroniqueur, quelqu'un qui connaît bien cette période du Super 1600, quelqu'un en plus qui a eu l'occasion de s'installer derrière le volant, qui a eu l'occasion de piloter ces voitures, c'est Pierre Gary, qui était journaliste essayeur à la revue Échappement, qu'on a sorti de sa retraite et qui est avec nous ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas, bonjour Marc, bonjour Cédric et bonjour Simon s'il est là. Je suis vraiment content de vous retrouver, ça fait un moment, mais quel plaisir, j'ai l'impression de rajeunir. Je commence par Nicolas, bonjour Nicolas. Tu avais remporté le rallye jeune en 95 et nommé Espoir Échappement en 1996. Un an avant Sébastien Loeb, c'est dire le niveau. Ensuite, pour rappeler un petit peu ton parcours, tu as remporté le volant Peugeot qui t'a permis de rouler en junior WRC. Et c'était un peu un cadeau empoisonné parce que tu t'es retrouvé le bec dans l'eau quand le championnat Super 1600 a été lancé en 2002, tu as rebondi avec Ford et avec cette Puma, accompagnée de Patrick Magot. C'était quand même quelque chose d'assez étonnant en France, cette voiture. Et puis, ça a marché moyennement. Puis, tu as continué l'année suivante avec une Clio. Ensuite, tu as été vice-champion du monde junior WRC en 2004 avec une Clio. Puis, carrément champion de France des rallyes en 2005 avec la 206 WRC. Ensuite, tu as roulé épisodiquement, tu as roulé avec le Suzuki SX4 autour de Corse. Puis, tu es directeur sportif chef de rallye jeune. Tu t'es occupé d'un circuit terre, d'une école de pilotage. Et maintenant, bah, tu es avec nous. Voilà. Bien résumé, oui. C'est à peu près juste, Nicolas ? C'est pile poil, tout est juste. Super. Cédric Robert, à toi maintenant. Cédric, bonjour. Bonjour Pierre. Toi, tu as commencé avec une rallye, Simca 1000 Rallye, en 92. Ça fait un moment. Et tu as remporté en 96 le trophée Cinquecento. Là, je me souviens que ça volait bas. Ensuite, tu as remporté le volant Peugeot 106, qui t'a permis en 99 de rouler en 306 S16 et d'être champion de France Groupe N avec l'ami Cura qui était en face de moi à Échappement, qui avait le bureau d'en face de moi à Échappement. Quand il rentrait dans la ligne, il était crevé, il allait dormir sous son bureau. Ensuite, toi,
tu es resté chez Peugeot, tu as roulé en 106 Maxi, et en 2002, bah, le trophée Super 1600, le championnat Super 1600, que tu as terminé deuxième avec une 206. Et en même temps, tu roulais en 206 WRC, notamment au San Remo. Ensuite, tu as basculé chez Renault, tu as obtenu de très bons résultats. Tu as terminé deux fois deuxième au championnat de France en 2010 et 2012, et tu n'as jamais arrêté de courir. Et maintenant, tu roules avec cette fameuse Alpine qui fait couler beaucoup d'encre. Et apparemment, tu t'amuses bien. Oui, Pierre, c'est exactement ça. Bon, malheureusement, j'ai pas pu trop rouler avec l'Alpine, mais bon, ça va venir. En tout cas, moi, je regarde. Tes commentaires sont justes comme d'habitude, et moi je garde un souvenir impérissable de ces années-là. Voilà, Nicolas et Cédric qui ont été présentés. Moi, je vais présenter très rapidement Simon. Alors, on espère qu'il va venir nous rejoindre. Hein. On a des petits problèmes techniques pour joindre Simon qui se trouve actuellement chez lui en Martinique. Simon Jean-Joseph, eh bien, il est arrivé, il s'est fait remarquer en France avec une 309 GTI dans les années 90-91-94. Ensuite, on l'a vu avec une escorte Cosworth, et puis le championnat de France avec la Subaru 2007-2008 où il a été un des principaux adversaires de Philippe Bugelski qui pilotait la Xara Kit Car Citroën. Citroën était le seul constructeur engagé à cette époque dans le championnat de France, et Simon Jean-Joseph a retordre à Philippe Bugelski. Il était cette année-là, 2008, vice-champion de France des rallyes. Ensuite, il est allé chez Ford. Il était officiel Ford en 2009. Officiel avec Colin McRae chez Ford. Bon, c'était les débuts de la Focus. Ça n'a pas été forcément facile. Ensuite, il est resté en mondial avec la 206 WRC. Et c'est en 2002 qu'il est revenu dans le championnat de France avec la Super 1600. Ensuite, il y a eu deux titres de champion d'Europe, toujours avec la Super 1600, 2004 et 2007. Et il est revenu en 2011 en France pour remporter le titre de champion de France des rallyes sur terre, et puis depuis, eh bien, il participe à quelques rallyes là-bas, du côté de chez lui, et entre autres le Tour de la Martinique qu'il a remporté ces trois dernières années. Et puis notre quatrième invité, Marc Amourette. Lui est arrivé en rallye au travers les formules de constructeurs, au travers le volant 106, le Challenge Saxo. Il avait déjà une belle expérience derrière lui, hein, pilote très éclectique, Marc Amourette. On l'avait vu en circuit, on l'avait vu en rallycross où il s'était particulièrement distingué, en course sur glace également. Et en 2002, donc, Citroën fait appel à lui pour piloter la Saxo Super 1600 dans la première édition de ce championnat Super 1600. On l'a vu aussi un petit peu en 2003 dans ce championnat. Et puis après, il faut savoir que Marc Amourette avait une activité, il avait sa structure, Trajectoire Racing, à faire vivre. Donc, il s'est tourné un petit peu vers la Coupe de France. Et puis régulièrement, eh bien, il remporte des victoires. Je crois que l'an dernier, 2019, il a dû remporter la bagatelle d'une dizaine de victoires. Voilà pour la présentation de nos quatre invités, en espérant toujours que Simon va venir nous rejoindre. Nous sommes en période de confinement, bien évidemment. Nous avons une pensée profonde pour les gens qui souffrent de ce virus, pour le personnel soignant, bien évidemment, pour toutes les personnes qui font tourner la machine en France. Hein, il n'y a pas que le personnel soignant. Et on est soumis à ce confinement. Alors, nous allons vous poser la question très, très rapide, à savoir comment vous le vivez, ce confinement, où vous vous trouvez. Pierre, si tu veux demander aux pilotes comment ils le vivent, ce confinement. Oui, ben c'est... J'imagine que c'est un peu comme nous. Et on va commencer par toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu arrives à avoir des activités dans le sport automobile? Écoute, moi, c'est une période toujours un petit peu charnière pour le lancement de l'opération Rallye Jeune. On a beaucoup de travail administratif.
organiser les timings, les dossiers de préfecture et ainsi de suite. Donc, bon, j'arrive à quand même bien m'occuper. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça traîne trop. Voilà, après, on est bien sûr en ce moment préoccupé aussi pour les pilotes, savoir si tout va bien aussi. Hein. Il y a la compétition, mais il y a aussi l'aspect sanitaire. Je me renseigne fréquemment auprès de tous les pilotes que je suis, que ce soit les pilotes équipe de France ou les pilotes rallye jeunes. Voilà, j'occupe mon temps aussi de temps en temps le soir en jouant un petit peu à la play avec eux. Donc ça, c'est assez sympa. Ça permet de passer de bons moments. Et puis voilà, je m'occupe aussi de ma petite famille. Donc voilà, pour rebondir aussi sur ce que disait Philippe, et moi, je voulais adresser aussi tous mes encouragements, bien entendu, hein, ils ne sont pas les seuls, mais aux pompiers, puisque ce sont mes anciens collègues. J'ai fait pendant 15 ans pompier volontaire, et voilà, je voulais adresser un petit soutien à tous, parce que je sais que c'est pas facile pour eux. Hein. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, Cédric, la petite famille, tu aussi? Alors moi déjà je me rappelle très bien de Nicolas qui amenait sa PlayStation sur les séances d'essai en 2001. Donc je sais qu'il aimait bien ça déjà en 2001. Voilà, et écoute, je fais un petit peu le maître d'école. Donc voilà, je vais faire aller voir ma fille. J'ai eu la chance de pouvoir avoir de la peinture, donc je vais repeindre une partie des couvre-toi. Voilà, j'essaye d'occuper mes journées, pas mal de live aussi. Voilà, j'essaye de regarder un petit peu les actualités pour voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Effectivement, infirmière, voilà, j'ai surtout la garde de ma fille voilà, à m'occuper. En tout cas, elle est discrète, on l'entend pas. Non, mais j'ai passé les consignes. Voilà. Ah ben, c'est bien. Et toi, Marc? Moi, écoute, pareil, on fait les choses qu'on n'avait pas le temps de faire d'habitude, donc j'avais pas mal de travaux à droite à gauche à faire ici, donc voilà, j'ai pas mal d'années de retard, mais je m'occupe bien. Hier, on a fait un peu de couverture, du bardage avec Tim qui est avec moi ici, donc plein de choses, et puis après, il faut aussi gérer l'entreprise, hein, donc c'est les mails, c'est le comptable, c'est pas hyper simple, tout ce qui est chômage partiel et tout, c'était pas encore très clair, donc... C'est aussi de gérer l'entreprise parce que on sait pas non plus, on est un peu inquiet sur l'avenir quand même. Ah, c'est sûr. Voilà, merci Marc. Tout à l'heure, j'ai eu une petite incrustation pour me dire que Simon était rentré dans la conversation. Est-ce qu'on l'a, Simon? Est-ce qu'on l'a? Je ne sais pas si vous m'entendez. Simon? Voilà. Ouais. Simon, vous activez. Ouais. Voilà, tu actives la caméra. Et on a le son, on aura l'image. Voilà, on est vraiment en direct, hein, comme vous pouvez le voir. Si ça veut bien fonctionner, mais pour l'instant, malheureusement, j'ai beau activer la caméra, elle ne veut pas. Ah. Simon, oui, on ne te voit pas, Simon, mais on t'entend. C'est rapide en 2002. Voilà. Est-ce que toi, tu nous vois, Simon? Moi, je vous vois très bien, mais j'ai beau appuyer sur la caméra, ça ne veut pas venir. Bon, alors, écoute, déjà, vous pouvez m'excuser, on a eu un petit souci technique. Oui, j'imagine, bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci Simon, on sait que tu as fait sonner le réveil de très bonne heure ce matin pour être avec nous. Merci vraiment, on n'a pas l'image, on va peut-être l'avoir tout à l'heure. L'essentiel, c'est qu'on puisse t'avoir. Comment tu le vis, toi, ce confinement en Martinique? Vous êtes touché, bien évidemment, par ce virus? Évidemment qu'on est touché par ce virus. Alors, je dirais que c'est assez particulier puisque nous sommes sur une île et que les risques pour nous sont d'autant plus importants que si nous avons trop de malades à traiter en même temps, les hôpitaux ou l'hôpital général ne pourraient pas accueillir tout le monde, à la différence d'un continent où on peut envoyer, comme c'est le cas dans le nord de la France, des gens ou un peu partout en France, hein, on peut les envoyer en Allemagne notamment. À la Martinique, c'est un peu plus compliqué. Donc, je dirais que dans ce malheur, nous avons quand même eu un peu de chance, dans le sens où le confinement sur le territoire français et donc sur les départements des DOM ayant été donné, la Martinique n'était pas encore déjà trop impactée, même si nous avons un peu moins de 150 cas et une quinzaine de personnes quand même en réanimation.
ça, pour l'instant, les choses sont à peu près gérées. Il y a, comme partout en métropole, une mobilisation très importante des services de l'hôpital, infirmières, médecins, etc. Donc oui, nous sommes bien évidemment impactés. Et comment tu occupes tes journées alors ? Eh bien moi, je suis confiné entre chez moi et mon bureau, puisque j'ai une activité publique, puisque je gère un port de plaisance qui ne peut pas s'arrêter de tourner, puisque nous avons reçu, bien évidemment, et nous recevons toujours beaucoup de bateaux qui arrivent un peu de partout, mais ce sont des bateaux de plaisance, donc ce sont des bateaux de 45 pieds, des plaisanciers qui traversent le monde et qui arrivent chez nous. Puis il a fallu gérer le retour de tous les bateaux de plaisance qui étaient dans les Grenadines au travers de nos loueurs professionnels qui ont rapatrié les bateaux pour que les gens puissent repartir. Donc on a eu un gros pic d'activité les 10 premiers jours du confinement. Et puis maintenant, effectivement, les choses sont beaucoup plus calmes. Donc voilà, mes équipes sont sur le pont et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on prenne évidemment toutes les dispositions pour faire attention aux problèmes sanitaires. Mais économiquement, nous ne pouvons pas non plus tout arrêter parce que l'atterrissage va être... moi, en tout cas, j'essaye de faire un atterrissage le moins brutal possible, pour que lorsqu'on pourra redémarrer nos activités normalement, que ça ne soit pas dans les plus mauvaises conditions, car je suis assez inquiet économiquement de ce qui va se passer. Bien sûr, nous sommes tous inquiets. Bien évidemment, il y a le côté sanitaire, le côté médical et puis le côté économique, bien évidemment, qu'il va falloir relancer. Merci Simon. On espère que tu arriveras à rétablir l'image. De toute façon, tu restes avec nous. Hein. On t'a par le son. C'est déjà très très bien. Voilà. Allez, je passe maintenant à la partie purement Super 1600, en évoquant entre autres les championnats de France 2002 et 2003, qui, je le rappelle, étaient consacrés à cette catégorie. Et on va parler un petit peu de la voiture. Et Pierre, je vais te demander de lancer le sujet sur la voiture, parce que j'ai dit tout à l'heure que tu étais journaliste essayeur à la revue Échappement et que tu as eu l'occasion d'y piloter ces voitures. Parle-nous un petit peu des caractéristiques de ces Super 1600. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Je les ai presque toutes conduites. À l'origine, c'était la Fédération internationale de l'automobile qui avait défini un cadre très précis pour ces voitures qui ne devaient pas coûter trop trop cher et qui devaient être un petit peu la deuxième série en championnat du monde et la série numéro une en championnat de France, la série professionnelle. Ces voitures étaient basées sur des voitures relativement populaires chez les constructeurs, mais la fédération avait, dans un cadre très rigoureux, défini des modifications et autorisé des améliorations. Le châssis pouvait être modifié, les suspensions, l'aérodynamique, les voitures étaient élargies. Le moteur ne pouvait pas dépasser 1600 cm3, était atmosphérique. Il y avait des limitations à l'admission pour ne pas atteindre des puissances et des complications techniques trop élevées. Les voitures développaient environ 225 chevaux, ça a un peu évolué. Elles avaient une boîte de vitesse à 6 rapports séquentiels, mais mécanique. Pas d'assistance hydraulique ou pas d'électronique. Le poids était aussi limité. Au début, c'était 950 kg, puis c'est passé la deuxième année à 1150 kg, équipage compris. C'était des voitures qui étaient d'authentiques voitures de course, des voitures qui étaient très rapides, qui avaient un comportement extrêmement efficace. Il fallait les piloter, il fallait vraiment avoir de la hargne, il fallait rester tout le temps dans les tours, à haut régime, il fallait vraiment mordre le volant pour aller vite, c'était assez extraordinaire. Justement, on va demander à nos invités comment ils l'ont appréhendé cette voiture. Alors certains sortaient des formules constructeurs, d'autres sortaient du WRC. Hein. Je pense à Simon entre autres. Pierre, si tu veux bien demander aux pilotes justement comment ils ont appréhendé cette voiture lorsqu'ils sont montés dedans, ou en 2001 pour certains ou en 2002 pour d'autres. Oui,
Marc, toi qui sortais de la Saxo, qui roulait avec beaucoup de petites tractions, tu n'as pas dû être trop dépaysé en découvrant la Super 1600. Comment ça s'est passé pour toi ? Non, mais je n'ai pas été dépaysé, puisqu'en 1999, j'ai disputé la saison de rallycross avec la Saxo Kit Car. Donc la base était commune. En effet, au point de vue châssis, c'était vraiment très proche. La différence, c'était la boîte séquentielle et quelques évolutions qui étaient arrivées. Mais en effet, je n'ai pas été dépaysé du tout. Oui, toi, tu es tout de suite compétitif dans cette voiture. Oui, oui. En 99, on a fait beaucoup d'essais à l'époque. Et on a fait beaucoup de kilomètres. En plus, j'avais aussi une Saxo Kit Car d'un client à l'entretien où je l'ai même fait quelques rallyes avec. Donc, c'est une voiture que je connaissais vraiment bien. Oui, alors toi, Simon, par exemple, ton cas était différent puisque tu sortais de la 206 WRC Chronos quand tu as découvert le Super 1600. Alors, qu'est-ce que tu as découvert ? Comment est-ce que tu as abordé ça ? Ben, j'ai abordé ça comme à chaque fois comme un vrai challenge parce qu'effectivement, je sortais d'une voiture bien plus puissante, 4 roues motrices. Et puis, j'avais d'ailleurs roulé en 16, 17, 18, 19 jusqu'à 2001 avec des WRC ou des 4 roues motrices gros pas. Donc c'était un peu une redécouverte des choses. Et j'ai eu la chance avec Renault Sport d'ailleurs en 2002 de participer au développement de la Clio Super 1600. Et ça a été une formidable aventure d'abord que de retrouver une voiture, c'était une vraie petite voiture de course comme tu le disais. Qui avait tout, qui avait une bonne petite tête, qui avait l'agressivité qu'il fallait et qui était marrante à conduire. Et c'est vrai que ça a été pour moi une remise en question que de me réadapter à ce genre de voiture. Donc c'était un vrai beau challenge que j'ai apprécié. Et toi, Nicolas, tu as découvert le Super 1600 avec la Puma. Ça, c'était encore une voiture étonnante qu'on a vue qu'une saison en France. Raconte un peu comment ça s'est passé. Tu étais avec Patrick Magourge. Il me semble que ton patron d'équipe était Dunabine, un Anglais qui parlait très bien français. Non, Pierre. Nicolas était déjà à Super 1600 en 2001. Non, mais, oui, c'est vrai. Oui, oui. Il faisait équipe avec Cédric Robert. C'était bien qu'il oublie cette année-là parce que je pense que c'est l'année où j'ai découvert le Super 1600. Effectivement, c'est 2001. Philippe, tu as raison. Après, il aurait fallu être devin pour savoir qu'on allait tomber en panne à tous les rallyes. C'était vraiment une très mauvaise année pour moi. Et j'avais gagné, en fait, en étant vainqueur du volant Peugeot. J'avais gagné 3 courses en WRC. Et puis, en discutant avec Jean-Pierre Nicolas notamment, on s'était dit que c'était la voie pour les jeunes, la voie de professionnalisation. C'est ce qui était vrai, hein, mais malheureusement, c'était une année où on a essuyé les plâtres et Cédric en était moins. On a eu une année vraiment galère. Après, oui, effectivement, l'année d'après, j'ai rebondi avec la Ford. Alors, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance et je remercie Patrick Magot qui, lors du dernier rallye de la saison en championnat du monde junior, il me parle d'une invitation que Ford voulait me faire pour tester les jeunes pilotes espoirs mondiaux sur une sélection qui se faisait 2 jours après ou 3 jours après. Ils n'avaient pas mes contacts. C'est Patrick qui m'a mis en contact avec eux. Et en fait, grâce à cette sélection que j'ai gagnée, j'ai pu retrouver un volant et rebondir et faire la saison du championnat de France 2002 avec la Puma. Alors effectivement, c'était une voiture assez atypique qui était faite dans les toutes premières kit car, parce que ce n'était pas encore les Super 1600, qui a été faite avec peut-être des moyens un peu limités. En tout cas, l'année 2002, c'était la fin de Ford Rally Sport. C'est un moment où M-Sport commençait vraiment à prendre de l'ampleur chez Ford. Et on a fait une saison qui était en dents de scie. On n'a pas compris. Il y a des rallyes où on était vraiment très, très loin et des rallyes où on était vraiment super bien. Et voilà, ça a été une année pour moi intéressante parce que ça m'a permis d'apprendre le championnat de France des rallyes. En fait, j'ai très peu roulé en championnat de France. Et la première année, ça a été en 2002, hormis bien sûr certaines manches de formule de promotion. D'accord. Et toi, Cédric, tu as connu aussi cette saison 2001 difficile que racontait Nicolas. Et en 2002, tu te retrouves encore avec une Peugeot Super 1600. Et
tu alternes avec un programme mondial en WRC. Et est-ce que c'était deux voitures complètement différentes à conduire ? Ouais, c'était deux voitures complètement différentes. Mais bon, alors moi, concernant la Super C100, bah, je sortais de la 106 Maxi. Donc ça s'en rapprochait quand même quelque peu. Et c'est vrai que... Alors c'est beaucoup plus en 2003 que j'ai alterné la... Même si en 2002, oui, j'ai fait le Sanremo avec la WRC. J'ai dû faire quelques rallyes de championnat de France, peut-être aussi, je ne me souviens plus. Oui, je crois que j'avais fait la Sainte-Baume et puis le Rouergue. Et c'est vrai que... À l'époque, on roulait beaucoup. En essai, on roulait beaucoup avec les WRC, on roulait beaucoup avec les Super C100. Donc, ce n'était pas un gros problème de pouvoir bien les piloter, ces voitures-là. Après, de la catégorie Super C100, le premier rallye qu'il y a eu, c'était le Catalogne en mondial. Et j'ai eu la chance de faire le premier temps scratch de toute la vie des Super C100. Et donc ça, c'était, je me rappelle, un bon souvenir. Et c'est vrai que j'en ai conduit plusieurs. J'ai conduit à la fois la 206 pendant plusieurs années. J'ai conduit la Clio. J'ai même fait un rallye régional avec une Opel et une C2. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de kilomètres avec les Super C100. Et elles avaient toutes la même caractéristique, la nécessité de rouler au régime, la nécessité d'être tout le temps à l'attaque. Ah oui, complètement. Ça, c'était, il fallait partir le couteau entre les dents. Et les premières années encore plus, parce qu'au niveau cartographie, les voitures devaient marcher de 7000 à 9000. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. Mais bon, en sortant de la 106, ça m'avait pas trop changé. Donc voilà, il fallait avoir une bonne oreille mécanique. Voilà, merci messieurs de nous avoir, et Pierre, de nous avoir parlé de ces autos, des caractéristiques techniques et autres performances de ces autos. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allions avoir un invité surprise. Il nous a rejoint, il a créé, il est toujours à la tête d'un groupe qui rayonne depuis 47 ans, je crois, sur le sport automobile national et international. Un groupe qui compte plus de 50 titres, des centaines de victoires dans presque toutes les disciplines majeures. Le circuit, le rallye raid. Hugues de Chonac, président du groupe Oreca, est avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour, très heureux de vous rejoindre et puis très heureux surtout de rejoindre quatre brillants pilotes. Alors il y en a trois que je connais très bien puisque je les ai fait courir. Un quatrième que je connais un peu moins bien, Cédric, de façon, j'allais dire, plus poussée, mais que j'ai beaucoup observé parce qu'il nous a très souvent un petit peu embêté, quelquefois pourri la vie sur les rallyes. Donc, j'ai aussi beaucoup d'estime pour Cédric. Voilà, ben nous sommes très heureux, nous sommes heureux et honorés de vous recevoir dans ce live. Toute l'équipe Confine Live tient d'abord à vous remercier pour l'implication d'Oreca Store auprès de cette initiative. Et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que vous aviez été à un moment, et vous venez de le rappeler, un des acteurs de ce Super C100. Donc, on va revenir, je l'ai dit, 20 ans en arrière. Et je vais laisser Pierre Gary avec vous pour évoquer ces années Super C100 au sein du groupe Oreca. Oui, bonjour Hugues de Chournac. Bonjour. C'est vrai que... À la tête de Oreca, vous êtes vraiment complètement impliqué dans le Super 1600 de 2002 à 2004. Vous êtes occupé des Citroën puis des Clio. Selon vous, comment se situait le Super 1600 dans le paysage des rallyes et quelle était sa vocation ? Ouais, je crois que ça a été une période où le rallye avait était extrêmement populaire. Et l'arrivée du 1600 en France, avec l'implication en plus des constructeurs, à la fois Citroën et à la fois Renault, a été extrêmement, extrêmement importante. Elle a permis surtout à beaucoup de jeunes pilotes et de pilotes de pouvoir obtenir d'abord des palmarès sur le plan national, puis après sur le plan international. Avec Simon, on a fait des choses exceptionnel en championnat d'Europe et sur certaines épreuves mondiales. Avec Nicolas, ça a été une superbe année aussi que l'on a fait en 2004. Donc ça a été, je pense, à cette époque-là, le rallye avait vraiment une très belle image, forte retombée. Et pour nous, pour Oreca, c'est une des meilleures
je dirais, période sportive et en tous les cas dans le domaine du rallye pour Oreca. Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter à ce sujet-là pendant ces trois saisons très intenses? Ah ben, des anecdotes, alors, je suis pris de court, j'en ai certainement beaucoup. Il y en a certaines que je ne peux pas raconter en direct parce que je pense que les pilotes, Nicolas ou Simon ou Marc, passeraient sous la table. Non, ce que je dirais, c'est surtout, ça a été une période extraordinaire. Et au niveau de chacun de ces pilotes, en 2002 avec Marc, c'était l'arrivée, je dirais, forte d'Oreca en rallye, puisque nous sommes, je dirais, Oreca a une forte image en circuit, mais devait, même si on avait déjà fait du rallye, devait de nouveau convaincre et qu'on était vraiment une belle équipe de rallye, ce que l'on a fait avec Marc en 2002, et on a fait vraiment des super bagarres. Il y avait un niveau, à ce moment-là, un niveau extrêmement élevé de compétition. Il y avait un pilote qui nous emmerdait pas mal, c'était Simon Jean-Joseph cette année-là. Donc, du coup, je passais pas mal de temps à discuter avec Simon entre les spéciales. Et puis finalement, au fur et à mesure de la saison, j'ai réussi à le convaincre qu'il aurait une vie bien plus agréable s'il courait avec Oreca. Et c'est comme ça qu'en 2003, on s'est retrouvés ensemble et on a fait deux saisons superbes entre 2003 et 2004 avec la Clio. C'est une voiture que l'on a développée au fur et à mesure. Simon avait vraiment des talents de metteur au point. Il était extrêmement précis dans tout ce qu'il faisait. Il était surtout très moteur dans l'équipe. Il n'était jamais satisfait. Et moi, je trouve que c'est une qualité formidable. Et ce qui fait qu'on n'était jamais tranquille quand Simon prenait le volant, parce qu'il fallait toujours faire mieux, il fallait toujours faire plus. Et ça a poussé l'équipe et ça a permis l'équipe d'atteindre un niveau qui finalement nous a permis de gagner le championnat d'Europe, d'être extrêmement brillant au championnat du monde avec Nicolas ensuite. Mais avec Simon, on a fait vraiment deux saisons extraordinaires, et c'est vraiment à la fois un pilote de grand talent, mais surtout un très très bon meneur dans une équipe. Et puis ensuite, on a continué en parallèle avec Nicolas, et surtout championnat du monde en 2004. Nicolas, à l'époque, c'était le jeune pilote qui montait, mais qui de temps en temps avait loupé une marche. Il l'a dit tout à l'heure, par exemple, avec son expérience avec Ford. Mais pour Nicolas, moi, j'avais très vite détecté qu'il y avait un talent, qu'il y avait simplement surtout besoin d'être, je dirais, maîtrisé, d'être mieux organisé. Et je pense que ce qui a entraîné les succès de Nicolas, c'est qu'il avait une très grande écoute et qu'il a su canaliser toutes ses forces, canaliser son talent pour réussir des performances assez extraordinaires. Donc voilà, c'est trois pilotes c'est une période extraordinaire, et c'est trois pilotes fabuleux qui avaient à chaque fois à lutter contre un certain Cédric qui était un adversaire extrêmement coriace et brillant, mais que je n'ai pas pu faire courir, hélas. Voilà. Quel est votre meilleur souvenir, Hugues, de cette période Super 1600? Vous en avez un qui se détache particulièrement? Ah, le meilleur qui se détache tout de suite, et il n'y a pas très longtemps, on en a parlé ensemble avec Simon, ça a été l'accueil de Simon à la Martinique, quand on avait gagné ce championnat, et il est revenu à la Martinique, et il y a une fête qui a été organisée par tout le département. La ville a été fermée. Simon a fait des démonstrations avec sa voiture, et ça a été inouï, incroyable.
Pour la Martinique, Simon représente quelque chose d'énorme. Et quand il a gagné ce titre, pour tous les Martiniquais, c'était comme si, entre guillemets, Simon et nous, on a totalement partagé, on ramenait un peu la Coupe du Monde. Ça a été une atmosphère, une ambiance extraordinaire. C'est quelque chose qui m'a marqué de façon incroyable et j'en parle encore avec émotion. Très bien. Messieurs les invités, trois d'entre vous donc ont travaillé avec Hugues de Schonach. Cédric, lui, n'a pas travaillé, mais je pense qu'il a des choses à nous dire. Avez-vous quelque chose à dire à Hugues ? C'est le moment, il est là avec nous. Une question, un souvenir, une anecdote. Qu'avez-vous à lui dire ce matin ? On va commencer par Simon. On n'a toujours pas l'image, mais il est là, Simon. Et je pense qu'il a écouté tout ce que Hugues a pu dire sur lui. Simon, qu'avez-vous à dire à Hugues ce matin? Écoutez, c'est bien sûr de beaux et grands souvenirs. C'est vrai que nous avons connu une période entre 2003 et 2005 qui était assez exceptionnelle. Énormément de travail, énormément de succès, énormément d'exigences dans ce qu'on voulait faire, parce que notre ami Cédric Robert, notamment, et Brian Bouffier aussi, nous ont donné pas mal de fils à retordre, notamment en 2003. Je me rappelle d'ailleurs d'une ou deux défaites, et notamment celle du Rouergue, où je m'étais promis que l'année d'après, il fallait qu'on prenne notre revanche, n'est-ce pas Cédric ? Oui, je me rappelle très bien. c'était vraiment exceptionnel, mais oui, enfin, que dire suite à un témoignage comme celui d'Hugues, bien sûr que j'en suis touché, mais au-delà d'en être touché, je pense que Hugues a été et est encore un extraordinaire meneur. Si aujourd'hui Horeca existe toujours après tant d'années et a encore 250 personnes dans un milieu qu'on sait fragile et sur lequel il faut être assez plus qu'habile même, compte tenu des circonstances du sport automobile, où on sait qu'à la moindre crise, les choses peuvent basculer. En tout cas, pour ma part, j'ai été honoré de travailler avec l'équipe. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Ça n'a pas toujours été facile, évidemment, parce qu'on est dans l'exigence, on est là pour la perf et essayer de faire tout pour y arriver. Mais ça a été de grandes et belles années. Et en tout cas, j'ai beaucoup appris aux côtés d'Hugues, c'est certain. Merci Simon. Marc, tu découvrais le milieu professionnel quand tu es arrivé en 2002 dans le championnat Super Cesson au sein de cette structure de Horeca, d'Hugues de Schonach. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce matin sur Hugues ? Ah, mais Hugues, c'est un personnage extrêmement chaleureux et il faisait toujours le maximum pour couver ses équipages. C'était comme un père pour nous. Il fallait toujours qu'on soit bien, tout aille bien, faire un maximum d'essais, toujours vraiment dans le confort et la performance. Et c'est vraiment, et toute l'équipe derrière fonctionne de la même façon. Tout le monde l'équipe est super motivée. De l'ingénieur jusqu'au mécano, tout le monde se donne à 100% pour l'équipe et ça, c'était vraiment impressionnant et très agréable. Voilà. Et toi, Nicolas, on a bien compris que Hugues de Schonach avait un œil, il te couvait hein, avec cette année 2004, entre autres, où tu es venu disputer le junior WRC avec la Clio. Que peux-tu nous dire sur Hugues, que tu as retrouvé d'ailleurs quelques années après? On se souvient t'avoir vu au Lyon Charbonnière avec une Porsche. Hein. C'était l'époque où Horeca s'intéressait un petit peu au GT. Et que peux-tu nous dire sur l'expérience et ce que tu as vécu aux côtés de Hugues? Moi, avec déjà, merci beaucoup Hugues pour le témoignage qui me touche. Alors moi, ça fait longtemps que je fais plus de courses et forcément, oui, ça me manque quand même un petit peu. Donc ça me replonge dans ces belles années, ces beaux souvenirs. Ça a été en tout cas pour moi l'occasion de me relancer. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis relancé avec Ford fin 2001 pour l'année 2002. Et je devais rouler avec Renault en 2003. Et au dernier moment, mon contrat n'a pas pu se faire. Et j'ai passé plusieurs mois, et je pense que Hugues s'en souviendra parce qu'il m'en avait témoigné quelques années après. J'ai passé plusieurs mois à arpenter les parcs d'assistance sur le championnat de France, à
quasiment la larme à l'œil et essayer de trouver une solution pour rebondir. Et Hugues a été, je dirais, l'initiateur avec la fédération pour me redonner une chance et recourir. Donc avant 2004, il y a eu deux courses en 2003 qui ont été pour moi des courses qui m'ont relancé, qui m'ont permis aussi de découvrir un professionnalisme que je n'avais jamais connu auparavant, parce que l'année de la Super 1600 en 2001, avec Peugeot, on avait un programme d'essai assez restreint, on ne roulait pas beaucoup. Avec la Ford, je vous l'ai dit, on était voilà, pareil, c'était un programme de l'importateur plus que de Ford Rally Sport. Et là, je découvrais vraiment une équipe professionnelle. Et dans le cadre du développement avec Renault Sport, et dans le cadre de l'exploitation avec Oreca, qui était exceptionnel, et j'ai pu finalement redémarrer une deuxième partie de ma carrière grâce à Hugues de Schonach. Après 2004, ça a été une belle année pour moi, la plus belle parce que j'ai fait 14, 15 ou 16 courses, beaucoup d'essais, beaucoup de victoires de spécial, quelques victoires de rallye aussi. Voilà, pas le titre qu'on aurait voulu avoir en championnat du monde. Nous en a manqué 2 points, je crois, pour voilà, des petites bêtises qui nous arrivaient en cours de saison, un drapeau jaune avec un nouveau règlement qu'on connaissait pas, et on s'est pris 5 minutes de pénalité, des choses comme ça. Mais moi, ce que je retiens de ça surtout, c'est vraiment l'engagement que Hugues a su finalement transmettre à toutes ses équipes, que ce soit les ingénieurs, les mécaniciens, les truckies, les gens de l'hospitality qui étaient sur place, tout le monde était motivé. Le seul point d'intérêt, c'était la gagne et pas la seconde place. Malheureusement, pour moi, ça a été la seconde cette année-là, mais on a fait de belles choses ensemble et je remercie Hugues. Et d'ailleurs, comme tu le disais, Philippe, on a gardé de bonnes relations, notamment quand Hugues a lancé la Porsche en rallye. On a fait le rallye Lyon-Chamonix, c'était bien passé, on avait fait de très, très bonnes performances. Et puis quand ma carrière s'est arrêtée, Hugues était là aussi pour me tendre la main, pour m'aider à franchir des nouvelles étapes. Et voilà, donc très reconnaissant. Et par le travail qu'il a fait jusqu'à présent. Alors, tout à l'heure, tu parlais des 47 années de requin. Moi, j'ai le livre que Hugues m'avait signé des 30 ans de la société, que je garde bien au chaud, qui me font, en tout cas, remémorer de belles années. Merci, Nicolas. Et puis, Cédric, tu es le seul de nos 4 invités à ne pas avoir roulé pour Oreca et Hugues de Schonach. Par contre, tu as été dans le viseur pendant 2 ans au championnat de France 2002-2003. Tu as été dans le viseur d'Oreca. Dis-nous un peu quel rapport tu avais avec Hugues de Schonach, parce qu'il ne t'avait pas sous sa coupe, mais je suis sûr que vous discutiez ensemble. Oui, bien sûr qu'on a même failli rouler à un moment donné avec Hugues. Et c'est peut-être ce qui m'a manqué pour être champion de France à un moment donné dans ma carrière. Hugues de Schonach m'a certainement manqué. J'ai fini 4 fois vice-champion de France. Donc il m'a manqué quelque chose, ça c'est sûr. Mais alors quelquefois, il me regardait en me disant « Ouais, viens nous voir quand même ». Et puis quelquefois, il nous regardait en nous disant « Va doucement ». Mais c'était souvent qui me regardait en me disant « Va plus doucement parce que ça ne va pas aller ». Voilà, mais toujours de très, très bonnes relations. Et non, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui amène tout le temps ses pilotes au plus haut niveau. Et une grande félicitation à lui pour toute la carrière qu'il a eue. Et c'est peut-être pas fini. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir rouler avec lui enfin. Parce que je suis toujours en activité. Va savoir. J'en loupe voilà. Pas une, Cédric. Je retiens Cédric, je le note tout de suite, je sais que tu es sur l'Alpine, donc je vais du coup suivre ça de près. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci Hugues d'être venu avec nous faire cette apparition dans ce live. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes honorés de vous avoir reçu. Juste un tout petit mot avant de vous quitter, si vous me permettez, parce que on traverse, il y a 2 petits mots que je voudrais dire. La première, c'est sur le rallye, vous en parlez, c'est formidable, mais c'est de tirer un grand coup de chapeau à tous les bénévoles, les commissaires, les organisateurs de rallye, parce qu'ils ont toujours fait un travail extraordinaire et on parle bien, bien rarement d'eux. Puis le deuxième petit mot que je voudrais dire, c'est dans cette période
extrêmement difficile que l'on traverse, d'une crise sanitaire, de ce confinement, d'une crise économique, je dirais, à tous les acteurs, à tous les passionnés de sport automobile, à tous les fans de sport automobile, c'est ne surtout pas baisser les bras. Ça va être, la situation est très compliquée. La traversée du désert va certainement être longue, mais il faut surtout se retrousser les manches. Et en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau d'Oreca, l'habitude d'Oreca, c'est toujours relever les défis. Là, on a l'Himalaya, mais on va être là, on sera là et on va se battre absolument. Donc, surtout, garder la pêche. On vous fait confiance, Hugues. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour la suite de la saison. Nous souhaitons bien évidemment sortir de cette crise et que tout ça soit effacé le plus rapidement possible. Merci à vous, encore une fois. Merci. Allez, on va revenir sur le championnat 2002-2003 avec une petite vidéo qui va apparaître là dans quelques instants. Voilà, quelques images qui nous rappellent que ces deux championnats se déroulaient sur des surfaces mixtes, hein, une partie du championnat sur la terre, une partie du championnat sur l'asphalte. On va aborder un peu les équipes, la façon dont vous avez été recruté en 2002 pour participer à cette première édition du championnat de France des rallyes Super 1600. On l'a abordé tout à l'heure, on va passer rapidement, mais on va quand même en parler. L'ambiance qu'il y avait dans ces équipes, dites-nous un petit peu comment ça s'était passé. Pierre, si vous voulez bien prendre le relais. Oui. Marc, toi qui as été, tu as été embauché par Hugues de Chaunac, comment ça se passait? Tu as parlé des essais, tu as parlé de la chaleur, de l'équipe. Raconte un petit peu l'ambiance. Hein. L'ambiance, elle était très très bonne, mais au-dessus de tout ça, il y avait quand même Citroën Sport à l'époque avec Michel Perrin comme team manager, donc qui était un petit peu quand même le big boss, on va dire. Et donc, on communiquait aussi beaucoup avec Michel, et c'est Citroën qui m'a recruté à la base. Donc après, le programme était sous-traité à l'équipe Oreca, mais c'était quand même un programme officiel Citroën, parce qu'à l'époque, on était salariés pour piloter, donc c'était la belle époque. Voilà, on rappelle que 2002, ton équipier était Brice Tirabassi, c'est lui qui avait remporté le premier titre. Hein. Oui, c'est tout à fait, c'est vrai qu'avec Brice, c'était la bagarre les saisons d'avant déjà un petit peu, et puis on s'est retrouvés, je me souviens, début mars 2002, à l'accueil chez Oreca, et là c'était un moment assez particulier parce que à partir de ce moment-là on devenait coéquipier, il fallait que on travaille tous les deux ensemble pour l'équipe, et c'est ce qu'on a réussi, on a bien bossé et Brice a été champion. Ouais. Et toi Nicolas, tu as un petit peu évoqué ton entrée chez Ford grâce à Patrick Magot. Comment était constituée cette équipe? Je l'avais évoqué aussi, il y avait Dunabin qui chapeautait un peu tout ça. Raconte un peu comment fonctionnait cette équipe Ford. C'est une équipe assez familiale. Ford Rally Sport avait perdu les programmes rallye, ils avaient des queues de budget qu'ils avaient réussi au travers des importateurs à ajouter pour pouvoir continuer l'activité.
Alors c'est évidemment c'était l'année la plus une des plus compliquées parce que on n'avait pas de budget pour aller en séance d'essai, donc on avait un aérodrome à Boréham où on faisait les essais pour préparer les rallyes, donc on roulait sur un aérodrome avec des pistes bétonnées, avec des chicanes, avec des pneus, on essayait de faire de simuler voilà ce qu'on pouvait avoir sur les rallyes. Donc voilà, ça c'était pas évident. Par contre, ça a été une année pour moi intéressante dans le sens où j'ai travaillé avec des Anglais, où j'ai découvert un nouvel équipier d'un très bon niveau aussi, comme ça avait été le cas avec Cédric l'année d'avant en championnat du monde, et ça m'a permis de franchir de nouvelles étapes. Ça se passait bien. Après, c'était très amateur à ce moment-là. Donc, c'est une année où on est un peu passé au travers. On avait failli gagner, en tout cas, on était très bien placé à la première course. Je crois que c'était le Terre d'Auxerre. Et j'avais cassé le cardan dans la dernière ou l'avant-dernière spéciale, un bris mécanique. Et donc, on avait plein de bons espoirs pour le reste de la saison. Et puis, ça avait plutôt bien marché. Et il y a des rallyes, je me rappelle bien, au rallye du Mont-Blanc, qui est un rallye qui m'a toujours bien réussi, puisque à chaque fois que j'y ai participé, à chaque fois, j'ai gagné, sauf avec la Puma, où on prenait 2 secondes au kilomètre, et alors que certains rallyes, on était dans le match, à peu près. Et là, du coup, on essayait, pour vous dire comme on était à la rue, quoi, on essayait des boîtes longues, des boîtes courtes, des boîtes intermédiaires, enfin, vraiment des choses que jamais tu peux essayer en course. Donc voilà, il y a eu des moments difficiles cette année-là, mais bon, ça a été intéressant. Et vous étiez quand même... Oui, Pierre. Lisa Philippe. Oui, je m'adressais à Simon pour lui demander comment il avait abordé cette saison 2002. Simon, tu étais tu roulais en Clio sur la première année de ce championnat de France Super 1600 avec Automeca, je crois, hein, il me semble. Oui, c'est exact. Enfin, j'étais revenu en championnat de France avec Automeca et grâce à Automeca, d'ailleurs, parce qu'à l'époque Jean-Paul Januel qui avait arrêté ses programmes en Angleterre avec l'équipe Renault. Avait une vraie volonté de vouloir recommencer. Je ne sais plus exactement comment ça s'était passé, pour être honnête. Il me semble qu'il y a eu un... Enfin oui, j'avais eu un contact avec Christian Kontzen à l'époque, parce que j'essayais de refaire un programme un peu plus stable suite à ce qui s'était passé en mondial et avec un peu de visibilité. Et je cherchais plutôt à rebondir et faire quelque chose sur du moyen terme et un peu plus professionnel. Donc on a... Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je sais qu'en tout cas, entre Christian Kontzen et Jean-Paul Januel, il y avait une bonne connexion. On s'était retrouvés, on avait commencé à travailler ensemble. Et comme je le disais précédemment, ça a été vraiment une remise en question pour moi et un plaisir que de retourner en championnat de France, puisque, comme vous le savez, les championnats de France, pour moi, ça a été le tremplin pour ce que j'ai fait après. Et j'étais plutôt ravi. Et puis, comme l'a dit d'autres copains, le fait de ces petites Super 1600 étaient des vraies. Elles avaient tout de grandes, enfin de belles voitures et de sympas. Puis c'était un peu formule monotype. Alors c'est vrai que la Ford, je reconnais Nico, elle était un peu derrière parce que moi, pour l'avoir conduite en 99, notamment sur 2 manches du Mondial, j'avais bien vu la différence. Il y avait un vrai programme de développement qui était en place. Il y avait de vraies opportunités. La preuve, c'est que ça a duré ensuite 2003, 2004, 2005, pour d'autres un peu plus. Et ce programme Super 1600, soutenu par les constructeurs et bien promotionné par la Fédération française du sport auto, ça a connu un succès plutôt sympa. Donc, non, moi, j'ai vraiment apprécié cette saison 2002 qui a été le début d'une aventure qui nous a permis ensuite, à force de bosser, de construire de beaux programmes et de faire que tous les constructeurs autour du championnat ont porté leur pierre à l'édifice pour qu'on fasse de belles choses. Voilà, c'était... Et puis en plus, il y avait une ambiance sympa malgré tout. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est, dans l'ensemble, en tout cas 2002, c'était une très belle année. Voilà, et Cédric, tu étais à cette époque-là le jeune pilote maison chez Peugeot, donc c'était quasiment logique que tu te retrouves dans cette équipe Peugeot Sport en 2002 là, pour participer à cette édition du championnat de France Super 1600, cette première édition. Oui, bah, déjà, en fait, moi j'étais le pilote, on va dire, entre guillemets, phare de chez Peugeot.
en 2001. Et à chaque fois, il mettait avec moi le pilote qui gagnait la formule de promotion. Donc, ça a été Nico Bernardi donc, en 2001, Guilhem Dus aussi en 2002, et 2003, Brian Bouffier. Et voilà, ça a été des belles années. Je m'en rappelle de belles bagarres, même si c'est vrai que ça a été quand même des fois compliqué. On avait des gens coriaces en face de nous, et notamment, je me rappelle que la Clio, pour l'avoir pilotée après, c'était un autre monde. C'était un vélo voilà. À conduire, une bicyclette. Ouais, sa qualité. Voilà. Allez, on va passer au côté purement sportif maintenant du championnat, les victoires, les classements, les scratchs. On ne peut pas passer sous silence, en parlant du côté sportif du Super 1600, on ne peut pas passer sous silence quand même que Sébastien Loeb est devenu champion du monde junior en 2001. Avec la Saxo Super 1600, et que Sébastien Ogier, lui, est devenu champion du monde également avec la C2 Super 1600. C'était en 2008. Hein. Les deux titres juniors des deux Sébastiens, là, ont été acquis avec ces Super 1600. Alors, je te passe la main, Pierre. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant ces deux saisons au niveau purement sportif, au niveau victoire, au niveau classement. Alors... En 2002, on a eu, ça a été un petit peu la suprématie des Saxo, puisque Brice Tirabassi a remporté le championnat sur une Saxo. Troisième, Marc Amourette, mais Cédric Robert a réussi à s'intercaler entre les deux, et Simon Jean-Joseph, quatrième. Il ne faut pas oublier, il y a eu quand même quelques superbes performances. Serge Jordan avec la Clio Super 1600 et Jean-François Béringuet, l'éternel adversaire de Sébastien Loeb, qui a aussi réussi avec la Saxo de sacrées performances. Et puis il faut pas oublier, et ça j'aimerais, je demanderai à Marc ensuite comment il a fait, comment il a vécu ça. Marc Amourette qui a remporté sa première victoire au scratch au terme d'un rallye du Touquet complètement épique. On y reviendra. Sinon, en 2003, eh bien, c'est Simon Jean-Joseph et les Clio qui ont dominé complètement. Simon Jean-Joseph qui a remporté 4 victoires. Brice Tirabassi. Dans la même équipe avec la Clio, 3 victoires. Et ils ont laissé une à Cédric Robert qui était vraiment à l'attaque. Et puis derrière, ça tirait la langue quand même. En tout cas, on se rend compte que les Clio Super 1600 étaient vraiment dominatrices à cette époque. Eh bien, on va leur demander justement comment ils ont vécu ces deux saisons. Simon, peut-être, tu peux commencer nous parler au niveau sportif, comment se sont déroulées ces saisons? Ça a été une saison particulièrement disputée, déjà avec mon équipier, qui était un pilote extrêmement rapide, qui avait une bonne expérience des rallyes terre, par rapport à moi qui les connaissais un peu moins. Ça a été une année exceptionnelle, dans le sens où parallèlement au championnat de France, je faisais aussi le mondial, comme mon équipier d'ailleurs, qui a été champion du monde cette année-là. Et ça a été, avec l'équipe Oreca et Ronosport, évidemment, beaucoup de séances d'essais, beaucoup de rallyes. Et toute notre volonté, c'était d'essayer de faire en sorte qu'on ait la voiture la plus perfo possible et la plus facile à conduire possible pour pouvoir gagner. Donc, de très belles bagarres, d'abord avec mon équipier. Ensuite, effectivement, je me rappelle de bagarres avec Cédric, notamment. Et particulièrement le Rouergue où Cédric avait pris une petite avance d'entrée et puis perso j'ai jamais réussi à revenir. Il n'y avait pas grand chose mais il était tellement coriace notre ami Cédric, voilà. Mais enfin, ça a toujours été un énorme plaisir que de me bagarrer avec lui. Et puis je vous rappelle qu'à l'époque en 2003 il y avait au moins 10 ou 12 Super 1600 qui roulaient, dont une dizaine de pilotes. On a parlé de Jean-François Béringuet, qui était un pilote extrêmement rapide, mais il y en avait pas mal d'autres autour de nous. Il y avait
comment il s'appelle Il y avait Manu Guigou. Il ne faut pas oublier qu'en 2003, Manu Guigou est arrivé dans le championnat. Et c'est ce championnat 2003 Super 1600 qui a lancé la carrière de Manu Guigou, d'ailleurs. Oui, on était, je dis bien, une bonne dizaine. Donc, ça a été sportivement intéressant parce que tous les rallyes, on se bagarrait à la seconde. On était... Enfin, j'ai revu une vidéo il n'y a pas longtemps et je crois avoir échangé un peu avec Cédric par message interposé. On était furieux, on était complètement... c'était la guerre et c'était vraiment très, très sympa parce qu'on se bagarrait à coups de seconde. Et sur chaque rallye, même si les Clio ont dominé un peu la catégorie, on n'était jamais non plus à des années-lumière devant. Hein. Donc, il y avait une vraie, vraie bagarre. Et sportivement, j'en garde un énorme souvenir. Voilà. Et puis, par la suite, tu as été champion de France en 2003. Hein, c'est toi qui décroches le titre. Et puis, c'est deux titres de champion d'Europe à la suite, 2004 et 2007. Tu auras été un des pilotes qui aura le plus évolué peut-être au volant de Super 1600 à un haut niveau, au niveau du championnat de France et au niveau du championnat d'Europe et championnat du monde. Peut-être. En tout cas, ça a été une formidable période pour moi et je me rappellerai surtout que la raison pour laquelle je voulais rebondir en Super 1600, c'était essayer de reprendre mes marques et avoir un vrai bon programme pour rebondir à nouveau. Ça a été presque le cas, puisqu'en 2003, ce qui est d'ailleurs la fin de ma carrière en mondial, j'avais, je vous rappelle, signé un contrat avec une équipe française, pour ne pas la citer, Citroën Sport à l'époque. Puisqu'on était dans la règle des trois pilotes pour le mondial et j'avais réussi, grâce à ces très bons résultats de 2002 et de 2003, à rebondir avec Citroën pour repartir en championnat du monde. Malheureusement, les règles ont changé deux mois après et ça a été la mort dans l'âme, la fin de ma carrière et de tous mes espoirs de rebondir en mondial. Mais c'est dire à quel point, selon moi, la valeur du championnat de France et ceux qui participaient à ce championnat, donc on était une bonne dizaine de pilotes de haut niveau, était malgré tout un point de repère pour les constructeurs, puisque personnellement j'ai été en contact avec Subaru, Peugeot et Ford pour ces affaires-là, et je pense ne pas avoir été le seul, puisque d'autres pilotes ont été concernés également et se sont retrouvés comme moi exclus par la règle. Mais en tout cas, c'était, selon moi, 2003-2004, c'était des crues exceptionnelles et ça a laissé... Enfin, en tout cas, j'en garde un formidable souvenir. Voilà, merci Simon. Cédric, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton passage en Super 1600 au niveau purement sportif? On l'a bien compris, hein, de très très belles bagarres avec tes concurrents Clio, entre autres. Ben oui, c'est vrai que moi je garde un super souvenir. Ben déjà parce qu'on se levait le matin, on était payé pour faire notre loisir. Donc c'était quand même extraordinaire. Hein. Et puis comme l'a dit Simon, on se retrouvait, on était entre 10 et 15. Il y avait Julien Pressac, je me souviens. Il y avait José Adam qui était là aussi. Il y avait plein de très bons pilotes. Et on était 7-8 à pouvoir gagner au moins au départ de chaque rallye. Donc il fallait y aller, il fallait bosser, il fallait tout mettre toutes les chances de notre côté. Après voilà, c'était vraiment des très belles années. Déjà quand on a la chance de pouvoir faire son métier, sa passion, c'est fabuleux. Donc après, que ça soit avec une Super 1600, avec une WRC, là en plus la Super 1600, c'est pour le public, c'était fabuleux parce que on avait des styles assez généreux, que ça soit Simon ou moi notamment, et en plus les voitures elles chantaient à cette époque-là, ça prenait 9000 tours, donc c'était vraiment top, autant pour le public que nous dedans à l'intérieur, on se régalait quoi. Et on n'oublie pas, Cédric, que par la suite, tu as enchaîné avec la Clio Super 1600 sur le championnat de France des rallyes 2005-2006 et que là, tu as fait des performances absolument remarquables également. Tu nous avais vraiment régalé pendant ces deux années. Pierre, on continue avec Nicolas et Marc sur le côté sportif qu'ils ont vécu au volant de ces autos. Oui, alors Nicolas, avec la Ford, c'était pas simple. Sportivement, comment est-ce que vous arriviez à vous mettre au niveau face aux voitures françaises? On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, hein, clairement. Je regardais vite fait là pendant que
Simon et Cédric discutaient, je regardais un peu parce que ça remonte à maintenant faire loin. Il y a des rallyes où on a réussi, c'était deux rallyes notamment, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Auxerre et l'Alsace où on pouvait. Et voilà, je garde pas au niveau sportif, je ne garde pas voilà une mémoire ultra. Tu as réussi quand même deux podiums, donc, un à l'Alsace et un au Var. Ouais, mais tu vois, en Alsace, clairement, on se bat pour gagner et en fait, ils nous avaient inventé un système sur la voiture où il fallait tirer sur un espèce de starter, accélérer, démarrer, ça faisait un genre d'anti-patinage, bon le truc, sauf que ça marchait. Ça a mis la voiture en panne. Enfin, tu vois, on essayait de bidouiller des trucs. Et puis, je crois qu'on était, voilà, on était à 5-6 secondes de la première place. On remontait. Et puis, la voiture, elle s'est mise en panne en fin de rallye. Bon, voilà, que des petites bricoles comme ça. Voilà. Après, moi, ce que je retiens surtout de ces années Super 1600, et pour moi, j'en parlais tout à l'heure quand on parlait avec Hugues, mais je me rappelle vraiment du San Remo où, ça faisait 6 mois, 7 mois, 8 mois que je n'avais pas fait de rallye. Et puis, voilà, j'ai pu rebondir grâce au soutien de la Fédération française du sport auto, grâce à Hugues Duchonac. J'ai fait une journée d'essai et on est arrivé au San Remo avec une confrontation avec tous les pilotes du junior WRC, plus Simon qui était aussi sur le championnat. Et cette victoire pour moi au San Remo, Ça a été énorme, quoi. Ça m'a relancé, ça a permis de me remettre en confiance. Toujours été compliqué parce que j'ai jamais eu de vrais partenaires qui me soutenaient pour arriver à faire de temps en temps quelques petits rallyes. C'est pas, je n'ai pas été le seul dans ce cas-là, mais tu sais, quand finalement on te donne l'opportunité de rouler avec une voiture, c'était déjà un privilégié. Donc l'année de la Ford, pour revenir à ça, je me sentais comme un privilégié. Alors c'est sûr que voilà, de temps en temps, il fallait faire attention à ses arrières parce que quand tu es un acteur et que tu es le petit jeune qui arrive et que tu n'as pas trop le droit à la parole. Tout à l'heure, tu parlais de Jean-François Béringuet. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais je me rappelle d'une fois où chez Ford, ils avaient remplacé Patrick Magot par un spécialiste de la Terre, Daniel Carlson, un Norvégien ou Suédois. Et sur ce rallye-là, putain, moi, je n'avançais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'au moment où on rentre à l'assistance, je leur demande de vérifier la voiture. Et en fait, le cap d'accélérateur de la voiture, il n'accélérait pas à fond, quoi. Et à partir du moment où Béringuet m'a dit « Mais ouvre le capot, Nico, essaye de regarder. » Je lui dis « Mais attends, c'est impossible, si tu veux, c'est impossible d'en arriver là, quoi. » Et puis voilà, on a remis le cap d'accélérateur, ça s'est remis à marcher. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à l'assistance et puis tu dis au mécanicien « C'est bon, on a réparé. » Tu la fermes et en fait, tu es content d'être là. Donc, voilà, cette année 2002, pour moi, ça a été sportivement compliqué. Par contre, voilà, 2003, c'était une belle année. En Espagne, on a eu des petits soucis, mais on était vraiment dans le coup pour gagner avec la Clio. Et puis, 2004, ça a été une année exceptionnelle. On a fait beaucoup, beaucoup d'essais, beaucoup de rallyes en France et en championnat du monde. Et voilà, c'était... Cette voiture-là, en fait, elle procurait un plaisir incroyable. J'ai roulé après beaucoup en WRC l'année 2005 avec tout le programme de développement sur l'asphalte de la 307 plus le championnat de France des rallyes avec la 206. Donc, j'ai conduit des belles voitures. Bon, après, j'ai conduit aussi d'autres voitures, mais c'était la Clio. Et cette année-là, ça a été vraiment exceptionnel parce que tu as vraiment cette sensation d'être en fait l'unique pièce au volant de la voiture qui peut guider ta bagnole. Tu vois, quand tu es dans une WRC avec les trois pompes pilotées et autres, c'est toujours difficile à conduire, mais tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui t'aident. Là, dans une Super 1600, même si ça va 20 km/h moins vite, putain, je peux te dire qu'il faut être réveillé. Et puis, ce que disait tout à l'heure Marc, Cédric ou Simon, c'est que en fin de compte, qu'est-ce qui fait un beau championnat? C'est vrai que les voitures, c'est important, mais c'est la diversité déjà des concurrents, parce qu'on avait des fois des pilotes étrangers qui venaient aussi dans le championnat. Il y avait un Italien qui venait avec une Fiat aussi, je me rappelle. Mais c'est aussi la diversité qu'il y avait. Quand on regarde les résultats des spéciales, quand tu prenais 3 secondes dans une spéciale de 15 km,
tu disais que tu t'étais fait rentrer, quoi, costaud. parce que généralement... Justement, le niveau d'attaque, quand tu sortais d'une formule de promotion où c'était vraiment maximum attaque, en Super 1600, c'était toujours maximum attaque, j'ai l'impression. Quand on voit les images, c'est vraiment l'attaque. On était à bloc du début jusqu'à la fin. Et ouais. Quand on regardait les écarts, ils étaient extrêmement petits. Moi, je crois avoir gagné des rallyes pour 2 secondes. Non, mais c'est... Moi j'ai un souvenir... En fait, si tu veux, ma plus belle spéciale de rallye, c'était le San Remo, justement, en 2003, une spéciale de 53 km. Et je me souviens, c'était Bruno Brissard, mon copilote, qui était un mec qui chantait les notes dans la voiture comme j'en ai jamais eu d'autres, un mec exceptionnel. Et au départ de la spéciale, je lui dis, écoute, là, on part en course de côte. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu racontes ? Je lui dis, écoute, voilà, là, pour moi, elle fait 53 bornes, mais... Je sais pas, je le sens, on part à bloc et ça va tenir. Et la mécanique et les pneus, on va faire 53 km à plus de 100%, quoi, même, tu vois. Et on a doublé des concurrents d'un très bon niveau, du junior, même dans la spéciale. Et on avait fait une spéciale d'anthologie. Et la spéciale, la voiture, elle tenait 35 km. Tu devais pas gérer tes pneus, tu devais pas gérer tes freins, tu devais rien gérer, tu devais juste attaquer à fond et tu devais juste gérer la voie goudronnée en face de toi pour pas sortir de la route. Voilà, c'était l'unique chose à gérer. Et ça, je me rappelle parce que tu m'avais mis une correction dans celle-ci. Ouais, je me venge un peu parce que tu m'en avais mis quelques-unes dans les spéciales d'avant. Donc. on va peut-être demander à Marc comment il a vécu, lui, cette période Super 1600, là, entre autres 2002-2003. Parle-nous un petit peu de 2003, là, parce que Citroën s'était quand même un peu retiré aussi, peut-être. Oui, tout à fait. C'est vrai que Citroën s'était un peu retiré du championnat. On a fait 2003, c'est une année où j'ai beaucoup roulé en essai. J'ai dû faire quelque chose comme 3500 km d'essai où on développait les différentes C2 pour la saison de 2004. Donc ça, c'était très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses, évidemment. Et puis, j'ai fait quelques cours. J'ai fait le Lyon-Charbonnière, aussi les Carnabelles. On a fait avec la Saxo. C'était plutôt pas mal. On n'a pas eu de bol au Carnabelles, mais on était très performants. Et après, c'est vrai que 2004, on s'est retrouvé sans rien, en fait, parce que changement de manager fin 2003 chez Citroën, et puis celui qui l'a remplacé, le nouveau, a fait différemment, a choisi d'autres pilotes. Donc 2004, on était à pied, et puis on a eu la chance de rebondir dans le trophée C2 Super C100 avec l'équipe de Barroso Sport. Donc on a pu quand même faire une bonne saison 2004. On va dire, on a remporté ce trophée où on était malheureusement pas assez nombreux, mais c'était très très bien. La voiture était en ses débuts, donc il y a plein de choses encore à améliorer, mais c'était vraiment des belles années parce que ça, on roulait à bloc, il y avait zéro marche, c'était tout le temps du premier au dernier mètre de chaque rallye, c'était à fond, et je peux vous dire que le soir quand on rentrait, on était bien rincé. Voilà, et puis il y avait eu cette victoire en 2002 au rallye du Touquet. Ah oui, cette victoire, c'est une très belle victoire. C'est vrai que. C'était ta première scratch, je crois. Oui, première victoire scratch, tout à fait. C'est vrai que. Et ça avait été plein de rebondissements. On avait fini bloqué sur le rapport de 3 parce que le sélecteur de boîte avait cassé dans la dernière spéciale. Donc on avait fini stressé parce qu'on avait peur de perdre le rallye dans la dernière spéciale. Mais on avait géré la situation et ça avait été. C'est un grand souvenir. Voilà, et on ne peut pas parler de ces championnats Super 1600 2002-2003 sans parler d'autres pilotes. Tout à l'heure, Simon l'a dit, il y avait vraiment du gros niveau. Alors, il y avait les pilotes professionnels, il y avait les pilotes d'usine que vous étiez, mais il y avait d'autres pilotes, bien évidemment. Hein. Il y avait Jean-François Béranguet qui a disputé les deux championnats. Il y avait Serge Jordan également en 2002 qui était venu rouler dans ce championnat. Il y avait Fabien Viricel et en 2003, mais on l'a dit tout à l'heure, Manu Guigou qui avait cassé la tirelire pour venir rouler avec une Clio Super 1600, je l'ai dit, c'est une année qui a vraiment lancé la carrière de Manu Guigou. Noël Tron également qui était là, Noël Tron qui venait de remporter le trophée Saxo T4 entièrement sur la terre et qui était un redoutable pilote sur la terre. Il aurait même pu en 2003 peut-être gagner une épreuve. Eddy Mercier également était venu disputer quelques épreuves en 2003. Et puis tout à l'heure, Cédric l'a rappelé, Julien Pressac qui était un pistard
qui roulait en monoplace, qui avait carrément débuté le rallye par le Super 1600, lui. Hein. Il n'avait pas fait de détails, il avait disputé la première partie de ce championnat 2003. Voilà, Bouffier, Philippe. Et puis Brian Bouffier. Brian Bouffier. Bien sûr, qui était l'équipier de Cédric Robert dans l'équipe Peugeot Sport, bien évidemment, en 2003. Voilà, on va peut-être vous demander quel est le souvenir le plus marquant, quelle est l'anecdote la plus croustillante que vous avez pu avoir pendant ces saisons Super 1600. Cédric, peut-être. Je crois que Simon l'a dit tout à l'heure, je me rappelle il y a deux rallyes en Super 1600 qui m'ont vraiment marqué. C'est le rallye d'Antibes en 2005 où on l'a gagné en championnat d'Europe, où on finit, je crois, 2 secondes devant Basso et 5 devant Simon. Donc sur un rallye complet en championnat d'Europe, c'était beaucoup. C'était une belle bagarre. Et puis le Rouer où en fait on avait pris une petite avance dans la première journée. Ensuite on avait cassé le sélecteur de boîte, donc Simon s'était rapproché de nous. On était bloqué en troisième dans la spéciale de Moy. Et voilà, donc il nous recolle dessus. Et après on refait un petit peu de marge. Et je me souviens plus ce qui s'était passé. Pareil. On avait eu un autre souci technique, on a cassé un amortisseur ou quelque chose comme ça. Et du coup, on se retrouve au départ de la dernière spéciale. On est, je crois que Simon ou nous, je me souviens plus, on a 3 ou 4 dixièmes d'écart et on gagne pour 2 secondes. Et en plus de ça, donc nous, on avait attaqué et c'est même pas nous qui avions fait le scratch. C'était Jean-François Berenguer qui avait fait le scratch, je me rappelle, dans cette spéciale. Et pourtant, je peux vous garantir que nous, on battait pour gagner le rallye avec Simon et sa volée. Bon, et donc, je pense qu'il avait fait vraiment très, très, très grande spéciale avec sa Saxo jaune, je me rappelle. Voilà, c'est... Non, mais c'était... C'est, voilà, ta plus belle victoire, bon. Cédric. Ta plus belle victoire en Super 1600. Ma plus belle victoire, on dit toujours que c'est la première, c'est le Limousin. Non, mais ça sera le Rouergue. Hein. Ça sera celle que je parle au Rouergue en 2003. D'accord. Moi, j'étais présent sur ta victoire d'Antibes en 2005. Elle était belle aussi, celle-ci, hein, parce qu'il y avait du bon monde derrière toi, il y avait du lourd. Hein. Ça, c'est sûr. C'est les deux victoires que je vous ai parlé. Là. Un grand moment d'émotion. Surtout que là, on était redevenu équipe privée, même si pour l'Antibes, on a un gros coup de main de Renault. Et faire gagner la Clio sur les terres de mon partenaire à l'époque, René Guénégan, c'était vraiment top, quoi. Voilà, il y avait Basso, il y avait André Ucci qui était derrière, il y avait Simon qui était là, il y avait Travaglia également, ouais, il y avait du lourd derrière. Travaglia, je me souviens, sur ce rallye d'Antibes, il avait embarqué pas mal d'outils, parce qu'il était, s'il était dans les 5 premiers, il était champion d'Europe. Donc c'est vrai qu'il s'était pas trop lutté, il n'avait pas trop lutté avec nous, mais on était tous les trois avec Basso, Simon et nous, tous les trois, ça volait vraiment bas. Voilà, Simon, ta plus belle anecdote, ta plus belle victoire, ton plus beau souvenir du Super 1600, c'est quoi ? Sincèrement, j'y réfléchis depuis tout à l'heure, il y en a tellement, il y a tellement eu de belles bagarres, tellement eu de choses folles que c'est difficile à... J'ai du mal à me rappeler d'un souvenir plus que d'un autre. Moi, je sais que si une très belle victoire, enfin de belles victoires, il y en a eu, des deuxièmes et des troisièmes places, il y a eu de très belles bagarres aussi, mais difficile d'en sortir une du lot. Peut-être le Charbonnière 2003 où on gagne, on part tous en slick, sauf Brian Bouffier qui fait le bon choix et qui doit avoir, je sais pas, une avance confortable après deux spéciales. J'étais deuxième, j'étais le seul à avoir réussi à faire de bons chronos, à mon avis, en slick. Et le lendemain, il a fallu batailler ferme pour remonter. Et finalement, on remontait jusqu'à ce que Brian fasse une petite erreur et on prenne la tête et on gagne. Mais de belles victoires, des bons souvenirs, j'en ai eu tellement que c'est difficile d'en décrire un. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quel que soit l'équipier ou quel que soit celui avec qui on a croisé le fer, j'ai un énorme respect pour toutes ces personnes, parce qu'on a vraiment, en tout cas de mon point de vue et de mon côté, j'ai donné le maximum.
On a fait vraiment des choses, à mon avis, à mon sens, assez exceptionnelles, avec des gars terribles, à coup de dixième par-ci, par-là. Et quel que soit celui avec qui j'ai croisé le fer, sincèrement, respect, parce qu'on s'est vraiment amusé et éclaté comme des fous. Et ça a été une très, très, très belle et grande période qui me manque, d'ailleurs, parce que c'était tellement exceptionnel, cette adrénaline. C'était tellement bon de vivre des moments aussi intenses avec l'équipe, avec les ingés, avec les mécanos, avec bien évidemment Hugues de Chonat qui s'est bien occupé de nous, comme d'autres team managers, comme d'autres personnes autour de nous. Mais ça a été une période exceptionnelle et qui restera inoubliable pour moi. Voilà. Merci, Simon. Pierre, je te laisse avec nos deux autres invités, Nicolas et Marc. Oui, ben, Nicolas, ton meilleur souvenir en Super 1600 et l'adresse, le souvenir le plus croustillant, qu'est-ce qui t'est... Bon, tu racontais l'histoire avec le câble d'accélérateur, mais bon, ça, c'était pas très drôle. Mais qu'est-ce que tu as eu comme anecdote ou ton meilleur souvenir? Écoute, très sincèrement, moi, je suis très attaché... À ma famille, à mes racines, à mes amis, aux gens qui ont compté vraiment dans ma jeunesse. Et pour moi, vraiment, je me rappelle avoir pris le départ d'une spéciale en pleurant d'émotion quand le maire de mon village, de Sospel, m'avait donné le départ avec le chef de la caserne des pompiers, la spéciale du col de Turini, où j'ai gagné la manche du junior. C'était la dernière spéciale du rallye. Et puis bon, il y avait des pilotes de notoriété qui étaient sur ce championnat, donc c'était vraiment un moment d'émotion incroyable. Il y avait Chris Mick, Latvala, puis tant d'autres. Et ça avait vraiment été vraiment sacré moment que j'ai vécu dans ma carrière. Et puis en plus, au bout, il y avait la victoire, mais c'était vraiment terrible. Et puis voilà, pareil, après la première victoire, alors San Remo, ça avait été vraiment particulier parce qu'on s'était vraiment tiré la bourre avec Simon. Ça avait été vraiment une grosse bagarre sur le rallye. Alors il y a eu des conditions difficiles. À la fin du rallye, j'ai fini avec beaucoup d'avance parce que Simon était un petit peu derrière et il avait tenté un choix de pneu. Il a tombé, la pluie est tombée. J'avais fait, je crois, le troisième temps scratch devant pratiquement tous les pilotes du WRC parce que j'avais les bons pneus. C'était pas mérité, en fait. Hein. Donc, à la fin, ça avait créé un gros écart. Mais pendant tout le rallye, c'était vraiment à coup de seconde. Et les pilotes du junior WRC, ils étaient vraiment très, très loin derrière nous. Et c'était ma première course avec la Clio. Donc ça avait été un beau moment aussi. Et la première course que j'ai gagnée, alors c'était pas du championnat à ce moment-là, c'était plus championnat Super 1600, on courait parmi les WRC, mais quand j'avais gagné à Lyon, ça avait été aussi un sacré moment. Il y avait une belle bagarre aussi tout au long de la course, avec Simon notamment. Et puis là, on sentait qu'il y avait vraiment un engouement de... Oreca, bien entendu, mais de Renault Sport surtout. On avait fait, d'ailleurs Simon, si tu te rappelles, on avait fait un show un petit peu dans la concession avant le début du rallye, et tu m'avais donné la scabreuse mission de passer, de tirer le frein à main sans arracher les câbles, où finalement j'avais fait plomber toute la soirée de présentation ouais, je m'en rappelle. Du rallye. Bon, ça a été bien rigolo. Mais voilà, ça, c'est trois moments-là où en Super 1600, ça reste des moments forts. Et voilà. D'ailleurs, tu vois, j'ai la petite Clio qui est ici, là. Voilà, tac. Voilà, c'est celle du San Remo, je crois, celle-là. Non, Monte Carlo. Voilà, c'est celle-là. C'est celle du... Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Lève-la un petit peu, Nicolas. Tu l'as... Voilà. Voilà, mais... Ah oui, super. Voilà. Et ben, c'est avec celle-là que j'avais pris le départ du Turini. Où, voilà, c'était le chef des pompiers et le maire du village qui m'avait donné le départ. Voilà. Super. Et toi, Marc, ton moment le plus croustillant, ton meilleur souvenir en Super 1600? Oh, évidemment, il y en a plein, mais c'est vrai, je me souviens aussi de la dernière spéciale de l'Auxerrois en 2002, où j'étais à ce moment-là troisième derrière Simon à une seconde et demie, et on s'arrête à un kilomètre du départ pour se casquer, faire la pression des pneus.
Et quand je remonte dans la voiture, quand je mets le contact, plus rien. Plus d'électricité, la voiture en panne totale. Et donc là, gros stress parce qu'on est à 5 minutes de pointer. Et là, on sort les outils. Et en fait, c'était le coupe-circuit qui avait fondu. Donc on chinte les fils, etc. Et là, on repart pour prendre le départ, mais on est vraiment limite de pointer. Et je suis tombé sur Simon, lui qui roule, qui va au départ, mais qui ne me voit pas. Et je me souviens de lui mettre un tout petit coup de pare-choc pour lui dire « Pousse-toi, parce que je suis à la bourre ». Et là, on arrive au départ d'un spécial, on est à bloc et on fait une super spéciale. Je repasse Simon, je crois qu'on doit prendre la deuxième place pour 5-10e. Enfin, on a vérifié, mais un écart vraiment infime. Et c'était, ça, c'était un super moment. Et puis. Et une grosse, ouais, un gros coup de stress et après un beau doublé pour l'équipe, donc c'était génial de démarrer la saison comme ça. Ensuite il y en a plein d'autres des bons, mais j'ai un super souvenir, c'est 2007, le Tour de Corse avec la C2 Super 1600 où on a gagné, on fait premier de motrice devant tous les jeunes pilotes du championnat du monde junior. À l'époque on était en privé avec on n'avait pas beaucoup de pneus, vraiment voilà, et on fait un super rallye, on gagne plus d'une minute d'avance, et ça, c'était vraiment un. Ça reste mon meilleur souvenir avec une Super 1600. Ah, super. Voilà. Et Marc, puisque tu nous parles du Terre d'Auxerrois 2002, on ne peut pas passer sous silence la présence ce jour-là au départ d'un jeune pilote finlandais qui débute. Il a disputé quelques rallyes seulement au volant d'une Ford Puma. Voilà, tout à fait. C'était Mikko Hirvonen qui disputait son tout premier rallye en France. Il était vraiment en période d'apprentissage à ce moment-là. Et je me souviens que Nicolas, avec une voiture identique, tu l'avais bien rentré quand même. Hein. Ouais. Voilà. Une fois sur tant d'autres. Oui, mais bon, on avait vu déjà que c'était un pilote spectaculaire et on n'a pas été surpris de la suite de sa carrière. Voilà, on arrive à la fin de ce live maintenant. Si je peux me permettre, juste pour faire une aparté. Oui, Simon. La filière finlandaise, même si la filière française, au travers de la fédération qui a fait un super boulot, n'est quand même pas la même que la filière finlandaise. On sait que Timo Jokki, notamment, a beaucoup investi dans des jeunes et je voudrais juste souligner ce que Nico vient de dire, c'est que à l'époque, à force de rouler, un garçon comme Mikko Hirvonen qui a un talent énorme, hein, il n'y a pas de discussion. Il est évident que c'est d'accéder, de monter dans la hiérarchie, c'est plus facile lorsqu'on roule tous les week-ends que lorsqu'on roule pas. Et je pense qu'il y avait pas mal de talents, notamment Nico ou d'autres, qui auraient pu avoir cette chance. Ils n'ont pas eu et forcément les choses sont pas les mêmes. C'était juste pour la parenthèse parce tout à fait. Je me rappelle qu'il était venu et que il était effectivement très loin derrière tout le monde. Oui, tout à fait. Et c'est sûr qu'un personnage comme Timo Jokki qui a découvert d'autres pilotes a été prépondérant parce que il avait beaucoup d'argent à mettre sur ses pilotes. Ouais, bien évidemment. Je m'en rappelle bien, si tu me permets, Philippe, mais je me rappelle bien de Timo Jokki parce que l'année où justement j'étais chez Suzuki en WRC, j'avais signé pour continuer en 2008 et Timo Jokki en fait était passé par là pour financer la saison de Gardemeister, et du coup j'étais passé à la trappe. Donc effectivement, je connais bien de près tout la problématique des jeunes pilotes, en tout cas que je suis par rapport à l'équipe de France, et aujourd'hui pour lutter face aux Finlandais, ce qui nous manque, c'est de gros investisseurs, et c'est ce qui est-ce que ça pêche pour nous, je sais pas si on peut dire que ça pêche, en fait en tout cas pour eux c'est un atout indéniable, quoi. Oui, une autre approche, effectivement, une autre approche de détection et de soutien aux pilotes. Bon, on arrive à la fin de ce live. On a été long, trop long, on a débordé le format, mais ça fait rien, c'est pas grave. Je vais demander à Eric d'intervenir. Je crois que tu as quelque chose à nous proposer, Eric. Le voilà. Oui, bonjour à tous. Alors, merci tous les quatre. Tout d'abord, vous nous avez vendu du rêve à l'époque. Vous nous en vendez encore aujourd'hui, rien qu'en parlant un petit peu de cette période. Alors moi, j'ai juste un défi à vous lancer. C'est un organisateur qui m'a contacté ce matin et qui me propose
propose d'être au départ tous les quatre de ce rallye-là début novembre. Il s'occupe de l'hébergement, de l'engagement. Il vous reste à trouver la petite Super 1600 qui va bien. Mais en tout cas, voilà, l'initiative est lancée. On aura le temps de l'évoquer. Mais voilà, il y a un organisateur qui veut absolument que vous soyez sur sa liste de départ. C'est le rallye au Pays niçois. Il n'y a rien à cacher. Début novembre. Donc voilà, ben, écoute, si jamais on n'est pas confiné, vous êtes convié. L'organisateur prend en charge. À vous de trouver la petite voiture. Là, je disparais et puis je laisse à Philippe Point le temps. Merci Eric. Merci Eric pour ce challenge. Voilà, mais il nous reste effectivement à en terminer. Je vais vous remercier d'avoir participé à ce live. C'était vraiment très intéressant, c'était attendu. Je sais que les jeunes n'ont pas connu cette période. Ça leur a permis peut-être de la découvrir un peu mieux. Les anciens, vous leur avez fait certainement très plaisir. Je voudrais te remercier, Pierre. De m'avoir accompagné. Nous sommes heureux de t'avoir sorti de ta retraite. Merci à toi d'avoir accepté le défi. Je voudrais remercier toute l'équipe Confine Live qui réalise un très très beau travail avec Mathieu, avec Eric bien évidemment, à la technique avec Pierre et Maxime et Noémie. On l'a vu ce matin, travailler en direct avec Internet tel que Internet est saturé actuellement, c'est pas simple et à chaque fois ils s'en sortent plutôt bien. Je vous rappelle que lundi il y aura un live consacré au rallycross et il me reste à vous demander de prendre bien soin de vous, de rester confiné, de faire très attention, d'avoir une grande pensée, une énorme pensée pour le personnel soignant qui réalise un gros travail, je le rappelle. On n'oublie pas, même si on évoque des souvenirs qui n'ont rien à voir, on n'oublie pas qu'actuellement tous les pays du monde et la France sont en grande difficulté. Et merci, on vous dit à très bientôt, le plus rapidement possible, parce que lorsqu'on se reverra, eh bien, ça veut dire qu'on sera peut-être débarrassé de ce virus et que tout ira mieux. Voilà, à très bientôt. Philippe, merci encore Philippe, à vous. Philippe, je voulais te remercier de m'avoir invité. Et ça m'a permis de retrouver Nicolas, Marc, Cédric, Simon, Hugues, tous ces gens avec qui j'ai vécu tant d'années et vraiment... Vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Merci à vous et à très bientôt en novembre peut-être. Allez, à très bientôt. Au revoir. Merci. Allez. Prenez soin.